Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Ici, à cet endroit, donc au ranch d'Hyrule, se trouve un PNJ. On lui parle et il dit qu'il a perdu un cheval. Voilà si pourquoi la quête s'appelle ainsi. Là maintenant, on se rend sur la carte et ici, à cet endroit là, cet endroit, vous ajoutez une balise. Je me rends à cet endroit et on se retrouve à ce moment là. Voilà, nous sommes à proximité, alors sachez que si vous ne prenez pas la quête, le cheval n'apparaîtra tout simplement pas. Il faut prendre la quête pour qu'il apparaisse, en tout cas ce fut le cas pour moi. Ici, et c'est bien, il y a le cheval, encore faut-il qu'il puisse traverser. Eh bien, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Un trampoline, plus un autre trampoline, comme ceci. Alors non, il ne peut pas sauter, mais il peut aller malgré tout sur ce genre d'obstacle. Alors c'est, on va dire, un saut automatique. Et là, on explique comment utiliser. Voilà, vous avez vu? À présent, il s'agit de le ramener au propriétaire. Et voilà, c'est chose faite. Et la quête est validée à présent. Rien ne vous empêche de prendre le cheval et puis d'aller là où on vous semble maintenant sur la carte. Ce sera très utile pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en espérant qu'elle vous a été utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!